Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de te proposer un nouveau produit pour que tu puisses fabriquer tes bougies. Je ne sais pas si tu connais, mais en Afrique, il y a certaines odeurs, il y a certaines résines qu'on utilise, par exemple, pour faire des torches indigènes, des bougies parfumées. Donc, on n'a même pas besoin de cire soja, mais c'est complètement naturel. Et là, c'est un produit que j'ai découvert lorsque je suis allée au Gabon. Je connaissais ce produit en tant que torche indigène, mais la résine en elle-même, pure comme ça, naturelle, je n'avais pas encore vu ça et je ne savais pas du tout quelle odeur ça avait. Lorsque je me suis renseignée sur Internet, on disait des fois qu'il y avait une odeur un peu d'encens de l'église. Moi, je ne trouve pas du tout. Je vais te montrer un peu l'encens de l'église que moi j'ai acheté. Et là, vraiment, l'odeur est complètement différente. Alors, tu vois, ça par exemple, c'est une composition pontificale que j'achète souvent à l'église parce que j'aime bien de temps en temps, comme ça, faire cramer un peu d'encens dans la maison. Et puis, ça permet de purifier aussi un peu la maison. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis tellement contente de te montrer ça dans l'état naturel, sans transformation, rien du tout, qui a vraiment été récolté de l'arbre. Donc, mais tu vois, tellement, je suis contente de l'avoir reçu et de te faire cette vidéo que je te montre un peu comment se présente la résine de Koumé. Oh, oh là là, tu vois, rien qu'en ouvrant déjà le couvercle. Oh, Jesus. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. C'est arrivé dans un carton. Même le carton, j'ai du mal à le jeter. Il est parfumé, le carton. Je l'ai mis au garage. Je me suis dit, ça va parfumer encore le garage. Donc, il se présente comme ça, tu vois. Tu verras ça, tu vas te dire, oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse, c'est machin. Non, c'est de la résine. Elle peut se présenter comme ça, toute blanche. Si tu la récoltes directement lorsqu'elle sort de l'arbre, elle est à une texture un peu molle, vraiment texture de résine, quoi. Et au fur et à mesure, elle durcit. Et moi, j'ai préféré la faire envoyer dans cet état. Donc, elle est ni dure ni molle, mais elle se tient très, très bien. Celle-ci, par exemple, je te prends un morceau qui est très dur, qui est très cassant. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Franchement, si je savais qu'il y avait ça, cette résine dans l'état naturel comme ça, je t'aurais fait des bougies avec dès le départ, en évitant déjà peut-être d'acheter les parfums venant de Grasse. Parce que là, on a vraiment un parfum qui est très naturel. Là, je te parle, j'ai tellement l'odeur qui monte que je me dis, c'est pas possible, mais c'est pas possible qu'un arbre puisse sentir aussi bon. Aussi bon. Ça, je crois que ce petit bout-là, je vais le mettre dans la voiture. Même plus besoin de mettre les pulvérisateurs. Non, juste cette petite pierre dans la voiture, je pense que la voiture va être vachement parfumée. Mais l'odeur est à tomber par terre. Moi, je recommande franchement, si tu as une occasion d'acheter cette résine, l'état naturel comme ça, achète-le. Si tu peux avoir une bougie avec la résine de Koumé, ça te permet de sentir cette odeur qui est assez originale, assez atypique et assez intense. Et quand je me rends compte encore que certains parfumeurs utilisent même cette résine, en cosmétique, on utilise cette résine, mais il y a de quoi tomber par terre. Tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi j'ai perdu du temps à m'offrir cette résine et à l'exploiter pour vraiment faire des produits assez extraordinaires? Mais moi, je vais me limiter juste au niveau des bougies pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir d'autres inspirations. Et mon inspiration pour l'instant, c'est la bougie, ou sinon, on met ça dans des, comme je disais tout à l'heure, des petits pochons comme ça en tissu, tissu de lin, ou peut-être essayer de faire des petits pochons en effet raffia, parce que j'ai ramené aussi du raffia. Voici le raffia que j'ai fait venir en même temps que la résine de Koumé. Donc elle se présente comme, le raffia se présente comme ça, vraiment dans l'état naturel qui a été arraché de l'arbre. Ici, tu vois, tu as bien les petites brindilles encore bien sèches et tu as la feuille du raffia qui se détache comme tu peux voir ici, là. Et vraiment comme ça. Donc la question, je me pose, soit je vais natter ça, essayer de faire des petits pochons en raffia, comme ça on reste vraiment dans l'idée, de l'Afrique, quoi, de l'odeur qui vient de l'Afrique, et c'est vraiment très, très, très original, et vraiment ça, ça va être que du fait main. Pour avoir une quantité comme ça, il faut prendre son temps pour bien emmagasiner un bon tas, et puis après... ils ont eu une bonne quantité que je voulais et ils ont pu me l'envoyer. Donc du coup, je suis super contente de te montrer ça, cette résine de Koumé, dont les vertus, vraiment, si ça t'intéresse vraiment cette résine de Koumé, essaie de jeter un coup d'œil au niveau d'Internet.
tu verras un peu les bienfaits de cette résine. Sérieusement, même toi, tu vas être convaincu. Moi, je pense que s'il faut que je fasse des bougies, je les ferai dans des pots comme ça. Mais comment ça sent bon? Là, tu vois, depuis 3 heures, c'est arrivé chez moi. J'ai juste laissé le couvercle. La maison est parfumée. Complètement parfumée, rien qu'avec ça. Pourtant, je ne l'ai même pas encore fait, mais je vais m'en prendre une petite part comme ça, que je mettrai dans chaque coin de la maison. Et le petit morceau que je t'ai montré tout à l'heure, celui-là, je mettrai dans la voiture. Oh, ça sent super bon, ça sent super bon. Bon, donc voilà, belle. Oh, non, j'ai envie de fourrer mon nez dedans. Regarde comment c'est magnifique. J'en reviens pas que j'ai réussi à enlever toutes les impuretés. Les bougies sont nickel. Celles-ci, elles sont déjà en train de se figer. Oh là là, je suis trop balèze.